Et salut les BGs, ici BG de retour pour deux réactions à des clips de K-pop relativement récents. Pour en faire un maximum, je les regroupe comme d'habitude. Et aujourd'hui, j'ai donc deux clips que j'ai sélectionnés. Le premier, je connais pas du tout. Je pense que je l'ai mis de côté parce que le son a dû me parler et qu'il est apparu dans une vidéo où je regarde des charts, etc. Et donc, le titre, c'est Spark du groupe, j'imagine, je crois que c'est un groupe de garçons qui s'appelle JBJ95, on verra bien. Et l'autre, j'ai pas pu passer à côté. Pareil, j'ai dû le découvrir dans une vidéo. Et c'est Raiden. Raiden, ça doit être l'artiste avec le titre The Only featuring, et c'est ça qui m'intéresse, Irène des Red Velvet. Là, si vous savez que c'est ma bias, on va s'écouter ça. Je sais pas si, je crois que Raiden, là le deuxième titre est très plutôt doux, je sais pas du tout quel est le genre de Spark. En tout cas, je les ai regroupés, on va faire une vidéo sur ces deux là ma réaction arrive, ne vous impatientez pas, j'arrive. Allez, c'est parti pour JBJ 95 Spark. 3, 2, 1, brrr. Alors de l'eau qui coule, je sais pas, en tout cas peut-être une rivière, quelque chose qui a l'air posé, mais le mec il s'enflamme, c'est juste le logo. Ah, ce genre de son là. Ça déjà. Et donc il y a beaucoup d'eau, une piscine qui donne vue sur la mer. Toi t'as les moyens. Machine à écrire de 1983, bien sûr. Déjà vocal et le son. Petit rythme. Bon, je vois qu'un garçon pour l'instant. Après, comme je les connais pas, ça se trouve je vais pas les reconnaître. Il est dans une baignoire mais habillé. Il y a beaucoup l'élément de l'eau. Pour l'instant, c'est pas le même membre, il a pas la même couleur de cheveux. Et il y a une fille qu'on voit pas vraiment en fait. Sont-ils deux? J'aime bien les voix et comment ça monte là. C'est déjà très entraînant, je sais pas si ça va être entraînant en termes de. Alors, est-ce qu'il y a un triangle amoureux avec une fille au milieu des deux? Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, j'adore ce genre de son. Et c'est beau visuellement, noir et blanc, et ils sont la nuit en train de s'échapper, de faire une escapade ou de juste kiffer entre eux. Pourquoi lui il écrit une histoire? Est-ce qu'on voit l'histoire qu'il écrit, qu'il imagine? C'est beau, c'est un très beau titre. Est-ce que c'est un chanteur, un rappeur? Je reviens dessus, mais... Les sons derrière, ça me convient tout à fait. Wow. Ouh, petite pause. Beaucoup de... Comme l'appareil photo, la machine à écrire, d'éléments des années 80-90. Oh, ce son éthéré, là, tout... On te croirait dans un rêve, et puis... ce rythme, mais vraiment, ces sons presque, encore une fois, des années 80, j'ai l'impression. C'est très subtil. On dirait que c'est en boucle en plus. Bon, j'arriverai pas à comprendre l'histoire entre les trois. Oh, il y avait de l'eau qui tombait par devant, je sais pas pourquoi. Il fait un livre, il écrit son livre, il l'a imprimé et il l'a complètement fabriqué lui-même en fait. Qu'est-ce que ça veut dire Spark, putain? Regarde la dernière page, je t'aime. Bon, ils se rejoignent que la nuit, je sais pas pourquoi, ça amène la notion d'interdit peut-être. Toutes les lumières s'allument, il est blindé le gars, parce que je sais pas qui, il a dû soudoyer pour faire ça. Ah, c'est bon, y'a pas à dire, c'est bon. Oh, feu d'artifice, feu sur la plage, ça se répond. Oh, l'harmonie, enfin je sais pas si on peut appeler ça une harmonie parce qu'ils chantent pas en même temps, mais le canon qui se répond. Oh, ils sont trop ensemble, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait une guerre ou une animosité entre personnes. Je les connais tellement pas. Donc c'est pas un groupe, il y a deux gars. Un été écrit par nous. Est-ce que c'est que le garçon et la. Enfin les deux garçons, ou est-ce que la fille a pris part à l'écriture? Parce que sinon c'est un peu. Est-ce que c'est que de l'amitié? Non, il y avait au moins un des deux, le brun, où il y avait des frottements de mains et tout, c'était pas que de l'amitié, faut arrêter de me prendre pour un con! Donc, je vais regarder devant vos yeux ébahis, quelque chose que je fais rarement. Que veut dire spark en anglais?
Parce que je n'aime pas être dans l'ignorance la plus totale. Étincelle, suscité, déclenché. Il y a quand même une idée de passion et d'envie de, hein, d'aller dans les forêts. Bon, alors... Eh bien, on va enchaîner tout de suite avec Raiden qui chante The Only avec Irene et des Red Velvet. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Je pense que c'est un gars avec elle. Est-ce qu'il va y avoir un clip où on va les voir, les imaginer, ou est-ce que ça va être qu'un clip histoire... hein, le mec, il s'enflamme. Allez, 3, 2, 1, bref. Une autoroute qui défile. Un ciel. Hey, mais ça va être deux filles. Parce que vu que c'est pas Irene, je pense que c'est Raiden. Donc on la voit. Normal, c'est l'artiste principal avec des boucles d'oreilles. What the fuck? Fond bleu, bien sûr, parce qu'elle a une robe verte. Ce serait pas passé sinon. Elle a l'air jeune. Donc c'est une sorte de road movie. Elle est à l'extérieur, c'est la liberté, on voyage. Un yo-yo. Pourquoi faire, je ne sais pas. Extrêmement coloré avec des coquillages et des motifs de l'été, la plage. Vous savez que c'est presque plus l'été. D'ailleurs, c'est plus l'été. Peut-être quand le truc est sorti, mais moi, c'est plus l'été. Elle a l'air très jeune, je répète. Des crabes, c'est tout mignon. Ouh ! Ah, j'aime bien. C'est une ambiance bonne vibes. On est sur la route. Alors, je sais pas qui conduit. Ah oui, ouais, elle est en ambiance totale. Ouais, génial. On pourrait mettre un peu du tien, quand même. Ouh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait ce rythme-là qui reste. Parce que déjà, le refrain, il était un petit peu... Il était bien dynamique. Et tant mieux, le couplet, il continue à avoir ce rythme-là. Je pense que Irene, elle va faire juste un couplet ou une phrase à un moment donné. Et jette l'argent par les fenêtres. C'est ça que ça veut dire, l'argent s'envole. Ouais, c'est les vacances. En fait, elle parle de vacances. Oh, ah, il y a des garçons, hein, j'ai vu. Il y a des garçons pendant ses vacances. Je crois qu'on t'a pas vu mettre des images de garçons. Donc elle a fait du bowling et tout. On peut deviner tout ce qu'elle fait, mais on la voit pas faire les trucs. C'est beau ça, le très gros plan flou comme ça. Bon, elle est un peu toute seule quand même. Oh, hey, y a encore le mec sur le billet. Elle regarde le caméraman comme si elle lui disait « Mais qu'est-ce que tu fous là ? Premier être vivant apparaît le chien !» Alors, est-ce que Irene, elle fait des couplets ou des vers que j'aurais pas reconnu sa voix à des moments ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Ah oui, c'est une rebelle, quoi. Vous avez vu comme c'est une rebelle ? C'est quoi, ça, c'est du saucisson ? Non, ne pars pas! Eh oui, c'est bientôt fini les vacances, profite! Le fameux garçon. Elle est à fond sur un garçon. Hein. C'est quoi ce rire à la fin? Alors, est-ce qu'elle était juste là en accompagnement d'harmonie ou pour faire du ad-lib et certaines phrases? Je n'ai pas reconnu les moments où il y avait Irene, on l'a pas vu, donc je suis trop dégoûté. Mais le clip est très sympa, clip de l'été, c'est pas un bop de girl group coloré, c'est juste un feel-good truc qui a dû coûter 2€, mais qui fait bien le taf et c'est une bonne musique, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux titres dans les commentaires, comme d'habitude, ainsi que de mes réactions magnifiques, exceptionnelles. Mais je vais surtout vous dire à la prochaine fois, portez-vous bien d'ici là, car c'est le plus important. Ciao.